Salut les gars! Donc on commence un tout petit peu plus tôt, j'avais envie de commencer plus tôt. Allez, on balance ce son! C'est chiant, on se retrouve sur le petit live. Je voulais créer un jeu déjà depuis la dernière fois, j'ai commencé un platformer, mais un platformer ça demande du temps. Je me suis dit, quel est le type de jeu le plus escroc du monde? Le moins d'efforts possible pour le plus d'efficacité. Les cliqueurs! Les cliqueurs! Eh oui! Je sais même pas si on m'entend, mais si on m'entend, alors. Je vais créer un cliqueur avec vous sur Game Develop. Si Shiro Korda, on y va de suite. Ah! On va faire un jeu vide. Eh oui! On peut remettre du jeu, on s'en fout. Non, on s'en fout pas, attends. Le nom du jeu, il va s'appeler Chiron Clicker. Ouais. Element Divide. Chiron Clicker. Oh, c'est moi. C'est moi. Eh oui. Alors, résolution est rendue. Il est où mon smartphone? Ah là 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 là. S'il a une résolution plus plus, il faut que je m'adapte à lui. Alors le smartphone, affichage 2900. Alors 2960 par 1440. Ça, c'est la résolution du jeu. Mettre à jour la résolution du jeu. Ok, très bien. Paysage. Non, en portrait, c'est bien. Ok. Hop, on va créer la scène. La scène qui va s'appeler Stage 1. Donc on va lancer Stage 1. Et on va voir à peu près ce que ça donne. Là, on n'est pas bon. Puis quand il fait ça, lui. Ok. Quarante, on applique, on retourne sur la scène. Voilà. Donc là, on a un petit jeu en mode portrait. Alors, le jeu, il est vide actuellement. Ok. Le but. C'est quoi? Je vais marquer la résolution quelque part. 1960 par 1440. Ok, je vais donc aller sur Photoshop. Forcément, hein. Voilà, donc là on a la taille du machin. Et je vais créer du coup un 1960 par 1440. Pardon? Mais c'est 2960. Ben, pourquoi j'ai mis 1960? Je suis con, moi, ou quoi? Alors. 2960, eh oui. Il se fout de ma gueule là, c'est pas possible. Ah, largeur, c'est là. Oh putain de merde. Bon. Là, on a vraiment. Voilà, on a vraiment le petit truc sympathique. Alors, bon. On va créer un petit truc sympatoche. Première chose qu'on fait. C'est mettre le fond en noir. Alors, le fond
fond en noir, évidemment. Puis on va lui mettre une petite incrustation dégradée par-ci, par-là. Voilà. On le met comme ça. Donc là, on est déjà bien. On va mettre un petit chiro-clicker en néon ici. Chiro-clicker. Voilà. Évidemment, c'est sur un smartphone. Donc ton smartphone, bah. Attends, il va pas être si grand que ça. Donc il faut que tu le vois quand même, ton chiro-clicker. Ouais, c'est à peu près comme ça. Ouais. Là, Chiro Clicker, il va être là. Je veux un truc plutôt léger, tu vois. Un truc vraiment... Ouais, un truc comme ça. Là, c'est léger. Je le mets à 80 pour la taille. Et là, je vais mettre un joli incrustation en dégradé de toutes les couleurs. Hop, linéaire et sur le côté. Bien sûr, faut pas que ce soit non plus abusé à 100%. Hein. Donc je pense juste baisser l'opacité, mais je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs, tu vois. Et je vais rajouter une lueur externe en dégradé, pareillement. Avec ça, supprimer. Voilà. Simplement. Et je vais mettre petite couleur de fond, genre... bleu ou un truc comme ça. Mais attends, mais c'est génial en fait ce que je suis en train de faire. Attends. J'ai peut-être une autre idée. Peut-être que l'incrustation, elle devrait pas se faire en dégradé, tu vois. Elle devrait se faire en couleur. Ce serait un néon bleu. Tu vois, genre néon bleu comme ça, là. Et en fait, si j'agrandis, ça pourrait donner un petit truc vraiment sympathique. La musique, elle se répète, elle est chiante, non? Ah, c'est beau, là. Là, c'est beau, de cette façon. Tu vois? On veut un truc qui soit assez... ancien, tu vois, genre... disco. Oh, musique de merde. On veut un truc un petit peu disco. Avec des néons tout autour. Mais oui, bien sûr. Mais oui, c'est clair. Alors, des néons tout autour, très simple. On fait un trait tout droit. Et voilà. Alors, hop. Tout autour. Alors. Tu vois rien, c'est normal. Tu vas le voir après. Hop, ici. Voilà, donc là, je vais mettre ça en incrustation dégradée. Et directement, tu vas voir le subterfuge. Voilà. Donc là, hop, on supprime. On supprime. On met ça là. On met ça là. Voilà. Et
tout juste. Par contre, je peux pas mettre un calque, genre, ouais, une incrustation couleur blanche, mais genre juste en éclaircir ou un truc comme ça. Pour vraiment que ça. Ça augmente la luminosité, quoi. Donc ça va être le fond du jeu smartphone, tu vois. Genre, t'es là, tu te dis, eh, pas mal, pas mal. Tu vois, genre. Bon, c'est le début, hein. Ça s'appelle la bêta. La bêta du truc. Shiro Kuroda, ouais, on va créer un nouveau dossier. App smartphone. Tu vois. Genre, et là, Shiro Clicker. On va l'appeler fond, tu vois. Genre, truc vraiment sympathique. On est pas mal, tu vois. Alors, ça on va le mettre en sprite, hein, parce que s'il faut l'agrandir, il faut qu'on puisse, tu vois. On va l'appeler fond et on va rajouter l'image qui se trouve dans Shiro Kuroda, App Smartphone. Oui, bien sûr. Et j'applique. Alors, hop. Je le fous là. Et c'est exactement les bonnes dimensions. Hein. C'est exactement les bonnes dimensions. Donc ça c'est très simple. On va juste le lock. Tu vois, pour pas pouvoir le recliquer. C'est le but. D'ailleurs, comment on fait pour le select? Ah ok. On le prend juste comme ça, on l'encadre. Là, plutôt sympathique. On va créer. On va créer des boutons. Je sais que par bouton, t'entends sûrement un truc ignoble, mais. Petit sacripant. Là, on va créer une chose semblable. On va créer un carré, tu vois. On va juste mettre quelque chose dedans. T'es dégueulasse. Tu te fais des auto-allusions, mec. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui regarde ma vidéo en replay là et qui se dit, ah, il va avoir des gueules, yo, ta gueule. Alors. Ouais, tu peux être plus ou moins méticuleux, hein, c'est pas. Ouais. Là, on part sur un truc comme ça, c'est basique. On va créer le bouton, le tout premier bouton. Donc là, pareil. On reprend le même truc. On supprime, on fait ça à 100%, on supprime. Mais attends, mais ça, je vais juste l'enregistrer de cette façon. Cela, c'est enregistrer, dégradé, disco, on va l'appeler. Ah mais je l'avais déjà là en fait. Non, non, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Non, c'est bien à 90 en fait. C'est très bien à 90. Parce qu'après, il faut jouer un tout petit peu avec l'échelle et puis on a des couleurs qui sont très vives. C'est très bien ça. Donc là, par exemple, on va avoir un bouton qui va être comme ça. Hein? Donc là, on va juste créer un nouveau. Hop, de la taille. Pardon, du bouton. Et là, j'ai juste à rentrer dedans. Oh, t'es dégueulasse. Alors, à rentrer dedans et hop. Une échelle appropriée. Là, on est bon. Hop! Et on va créer, par exemple, avec un texte dedans. Genre, on va mettre, par exemple. Des francs. Ce serait dingue!
Des francs. Non, mais une monnaie ou un truc comme ça. Des pins. Tu vois, des pins. Tu vois, de l'époque. Des pins. Les gars, ils vont voir ça, ils vont se dire, putain, t'as eu, et le mec, il est pas con, tu vois. Si, si, en fait, non. C'est un peu. Ok. Les petits pins. Et donc là, les pins, on va les colorer. On va les colorer. En bleu phosphorescent, fluo, tout comme tu veux, tu vois. Et là, autour, je vais rajouter une petite lueur externe. Bleu ciel. Bleu ciel. Ok. Oh, c'est beau. C'est beau. Là, tu te rends pas compte parce qu'il y a, y a du transparent. Hein, il y a de la transparence. Mais là, par exemple. What? Ok, bouton pins. Je veux voir parce que là, ça va pas du tout s'il est enregistré comme ça. Ça m'a jamais fait ça de ma vie. Bah alors, il est très bien mon pins. Je sais pas pourquoi il. Ok, donc là je vais rajouter du coup un sprite, bouton pins. Waouh, ah oui, ah oh, il m'a fuck le cerveau là. Et je vais ajouter une autre animation, sauf que là. Voilà, je vais éditer avec Piskel. Il faut que je réduise la taille. Alors ça, pour réduire la taille. Comment je peux faire? Réduire la taille. Ah, oh, resize. The drawing area. No. Crop? C'est-à-dire quoi, crop? Qu'est-ce que ça veut dire, crop? Alors, non mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas moyen de. Donc là,
Je vais juste créer une sorte de pseudo-animation, tu vois, genre. Vraiment pas un truc pro, quoi. Hein. Truc vraiment basique. Mais tu vas voir, ça va rendre pro après. Tu vois, et là, ça va être une animation à 5 images après. Donc là, on est bien. On retourne sur Game Develop. Et en fait, là, dans les animations, alors déjà, ça va être bouton pins. Je sais pas pourquoi il l'a pas pris en compte. On va avoir déjà, premièrement, le pins. Et on va avoir après, donc, Kuroda, tac-tac. Et on va avoir le 4. Ah oui, très bien. Ensuite, on va avoir le 3. Oui, vas-y. Hop, le 2. Le 1. Et enfin, on va avoir le bouton normal. Donc, on fait un aperçu. Ça doit aller beaucoup plus vite. Donc, deux fois plus vite. Ok, et ça ne va pas boucler. Ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire que là j'ai un bouton pins. Ok? Là j'ai un bouton pins. Si j'appuie dessus, alors l'animation change, tu vois. Et c'est ça, ça va être marrant. Parce que là, je vais aller dans les événements. Je vais créer un nouvel événement et je vais dire si souris et écran tactile, curseur touché et sur un objet qui s'appelle bouton pins, test précis, oui, pourquoi pas. Et donc là on rajoute et que souris grand tactile, bouton de la souris ou bouton appuyé ou toucher tactile gauche pour la souris dessus, alors Sprite animation, changer l'animation de bouton pins est égal à 2. Tu vois? À 1 même. Est égal à 1. Parce que l'animation de base est égale à 0. Donc là. Timer, c'est où timer? Il y a un truc temps et chronomètre, voilà. Démarrer ou réinitialiser un chronomètre. Là, on va l'appeler chrono. Ouais, on va l'appeler chrono bouton pins, voilà. Simplement. Voilà. Et comme c'est un chronomètre de scène, ça veut dire que on peut le reprendre dans toutes les variables. Donc là, on va dire si le timer, donc si le timer parce que c'est 0,2 fois 5, donc ça arrive à 1. Et là, il ne le retrouve pas. Alors, chrono, bouton, pins. Est égal à 1 seconde. Alors.
supprimer un chronomètre de scène. Pourquoi on devrait le garder s'il est recréé? Tu vois? On va essayer. Ah oui, mais attends. Attends, et on va changer le sprite de ça est égal à 0, tu vois. Mais on va le faire avant que ça supprime. Comme ça, ce sera toujours tant que. Ah mais là, on n'y arrive pas, là. On n'y arrive pas. Pourquoi? Bah alors, attends, parce que j'ai une question, moi. Pourquoi? Pourquoi l'animation elle repasse pas à 0? Animation terminée. Mais non, c'est pas animation terminée, non, non. Non, non, attends. Attends, je comprends pas. Là, ça marche. Et là, ça marche plus. Attends, je me dis, et si ça, il n'y avait pas besoin de le mettre dans la condition et, tu vois, genre, pourquoi ça fait ça? Ah non, je joue l'animation. Mais ouais, en fait, devrait y avoir qu'une seule animation. Tu vois, c'est sur bouton pins. Et c'est au chargement de la scène. Ah, c'est ça. Ça doit être au chargement de la scène. Donc, scène, c'est où? Au lancement de la scène. Alors, changer l'animation de pins égale à 1, tu vois. Parce que de base, elle est à 0. Et je veux quand même garder la première animation. Shot. Je comprends pas. Je comprends pas les gars. Je comprends pas comment ça peut pas fonctionner en fait. Mais et si je débug? Mais non. Et si? Condition inverse? Bah oui. Alors, change l'animation à 0. Bon, on va essayer de faire ça pour débugger. Donc là, il y a un souci. On s'en fout qu'il y ait le curseur ou non dessus. Yes! Ah yes!
Nice. Donc là, on a déjà un bon petit début. On a un truc de fonctionnel. Et là, il nous faudrait une animation. Donc avec Photoshop, encore une fois. Anime, button, pins, tu vois, genre. Fuck, c'est pas du tout ce que je veux faire. Tout le projet, hop. Donc là, il n'y a pas de souci, tu vois, il y a un truc, ça va correct. Donc maintenant, ce que j'aimerais faire à partir de Photoshop, c'est quoi, concrètement? Là, ça va être de créer des petits chiffres qui vont apparaître au-dessus. Mais est-ce que... Yikes! Mais non, même pas en fait. Pour les animations sur le texte, je sais pas si... C'est afficher un texte, alors je m'en bats un peu lec. Les bébés textes, c'est quoi display? Oh, rich text, label using bébé code, markup, allowing to set parts of the text as bold, italic, use different colors and shadows. Ou afficher une vidéo. Et donc dans ce cas-là, il faudrait que je mette une vidéo avec des dégâts. Non, non, non. Ça, on va le faire après, je pense. Pour l'instant, on va juste delete, delete. Tu vois, genre, et on va juste, tu vois, genre créer un sprite. Money. On va l'appeler Money. Yeah. Et il nous faudrait genre un petit peu de money, genre un pins. Là, je suis sur Ecosia, tu vois. Un pins, ils mettent des... Ah voilà, des pins, ça c'est pas mal ça. Alors ça ressemble à quoi un pins? Est-ce que je peux le refaire sur photo? Ah, je peux le refaire sur Photoshop. Absolument. Ouais, bon, j'augmente un peu le son, ça va, hein. Vous allez pas chipoter, hein. Alors, sur Photoshop, on va créer un pins. Alors là, 800 sur 800, hein, on n'est pas fou. Le pins, on va le faire comme ça. Alors, hop, je vais créer un cercle. Tu vois, un truc comme ça. Tu vas te dire, mais... Chiro, t'as un bug aux yeux là, c'est pas du tout droit. Et moi je vais te dire, eh, ta gueule. Voilà ce que je vais te dire. Non, je vais pas te dire ça, mais t'as compris quoi. Là c'est pour la forme. T'avais pas compris encore? Alors. Truc très simple. Hop là. Oui, truc rapide. Truc très rapide. Hein. Tu vois, là, t'as un semblant de pins. Sauf que là, pour que ce soit plus réel, bah, de toute façon, après, on fera un truc équivalent. Mais là, ce que je vais vouloir faire, c'est ouvrir
à me chercher un pins Shiro Kuroda. Donc dans ce cas là je vais dans Shiro Kuroda et puis je vais aller chercher mon petit logo, tu vois. Là tu te dis hey, mais c'est pas bête en fait Shiro, tu vas faire un pins avec ton logo. Ah je vais te dire eh ouais Pélo, eh ouais. C'est ça. Comment t'as su? T'es vraiment trop fort. T'es un génie mec. Non, franchement, t'es un génie. Dave. Pourquoi c'est pas du RGB? Quel est le problème? C'est noir et blanc. Ouais, je sais même pas c'est dans quoi. Réglage, je crois. Ah non, ouais, mode. What the fuck? RVB, s'il te plaît. Damn. Pourquoi? Pourquoi ça se met comme ça? Ouais, je fusionne, j'en ai rien à casquer, mon gros. Bon. Ouais. Alors. Ok. Donc là, hop, opacité un peu réduite. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais réduire l'icône. Voilà, pour qu'il soit comme ça. Et après, je vais... le mettre comme ça pour qu'il soit le plus aplati, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et donc là, je vais prendre tout ce qu'il y a autour de la pièce, d'accord, et je vais la couper. De ça, d'accord. Et après, je vais prendre, attention, tout ce qui est dans la pièce, je vais faire intervertir. Et là, je reviens sur Shiro Kuroda et je fais ça. Donc là, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'après, je vais juste rappeler la pièce, tu vois. Hop, je vais recréer un petit truc gris. Hop, et ensuite, je vais reprendre le contour de la pièce, et là pareil, je vais recréer juste un truc, mais cette fois-ci noir pour ce qui est de ça. Pourquoi, tu vas me dire, pourquoi t'as fait tout ça? Je vais te dire, c'est pour mettre une incrustation simplement qui va aller du noir au marron, tu vois. Voilà, un truc comme ça. Très bien, à 180. Et ça va pas être du noir, ça va être du marron foncé. Hop. Et voilà. Simplement. On a ça, comme ça. C'est très rapide, c'est très simple. C'est même très efficace. Et on a un putain de beau truc, là. Pareil, la incrustation dégradée. Je veux pas que le dégradé soit comme ça. Je veux qu'il soit vraiment genre... très basique. On va juste le mettre à 180 aussi, comme ça fait une sorte de lumière de ce côté là qui est... voilà. Et donc là je vais juste mettre moins fort, et ça va pas être du noir noir, ça va être du marronasse, du marronasse un peu plus sombre, voilà. Un peu beaucoup sombre, voilà, un truc vraiment pas noir. Je trouve que sinon ça rend très mal. Hop. Et là après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire image rognage de tous les pixels transparents, et là je vais juste exporter mon pins
tu vois. Je vais enregistrer le pins. Et donc du coup, ça m'a permis de créer un pins Shiro Kuroda que je vais pouvoir inclure dans mon jeu, en fait, simplement. Donc là, j'ajoute image Shiro Kuroda, app smartphone et pins. Voilà. Donc là, je vais avoir le pins Shiro Kuroda que je vais pouvoir mettre en bas, voilà. Ou en haut, hein, c'est... Ouais, genre une toute nouvelle interface, tu vois. On n'a jamais vu ça ailleurs, parce que c'est tellement moche que personne ne l'a fait. C'est de mettre le pins, voilà, l'argent, pas tout en haut de l'écran, mais juste en plein milieu, quoi. Le truc dégueulasse, quoi. Donc là, j'affiche un texte. Le texte, il va être vide, mais ça va s'appeler... Alors, texte pins, ou NB pins, pour nombre pins. Tu vois, simplement, et je vais l'inclure ici. Alors, par contre, faut que ce soit plus gros. Oh, pas d'arrière-pensée, s'il vous plaît. Je suis vraiment relou. Hein. Mettre à 80. Non, on est bien là. Le petit live, tranquillou. Ça va juste être un coloris en blanc. Ou en bleu fluo. Ben oui. Tu vois, et là, ce que ça va faire, c'est que ça va donner un peu le ton. Non, pas l'animal, le ton de l'ambiance, quoi. Du truc, c'est que voilà, c'est un peu bleu partout, c'est plein de néons, c'est tout beau, c'est tout frais. Et là en fait on va faire aucune condition, je veux que déjà il va y avoir une variable globale. La variable pins va être égale à zéro de base, tu vois. Genre, de base, c'est égal à zéro. Et ça, ça va être une condition. Non, on va pas y avoir de condition. Mais on va rajouter une condition ensuite, tu vois. Genre, là, on va dire au chargement de la scène, au lancement de la scène, je veux que ça aille chercher, du coup, l'argent. Eh oui, parce que s'il y a plusieurs scènes, s'il y a plusieurs stages, stage 1, stage 2, stage 3, qu'il y a plusieurs maps, etc., je veux que en changeant de scène, donc en allant au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, etc., il n'y ait pas autant d'argent. Donc finalement, ça va être des variables différentes qui ne vont charger qu'au démarrage de la scène. Sinon, ça va être trop lourd pour l'application. Donc là, stockage, et on va lire une valeur... Et storage name, ça va s'appeler pins. Donc déjà NB pins et à la fin stage 1. Tu vois. Ça, je pense que ce sera du coup ce qui va nous permettre de charger les pins du stage 1. Et donc là, NB pins global. Tu vois, donc là ça va être nombre pins global, ça c'est le groupe, donc voilà, et variable de la scène, on va prendre une variable de scène, on va juste la créer. À mes souhaits, abonnez-vous. Et là, NB pins STG 1. Ah mais non, storage. Ah oui,
STG, ça pourrait être pour Storage One. Sauf que là, c'est pas du tout ça. Là, on va mettre NB Pins 01. Tu vois. Donc, on a créé une scène, une variable, pardon. Et après, ça va être toujours. Donc là, toujours, je vais mettre. Voilà, toujours. Faire. Mais non. C'est ça, en fait, ce qu'il faudrait que... Si, il faut mettre une variable toujours. Pourquoi? Tu vas me dire, mais Shiro, tu viens de la supprimer deux fois, là. Ta gueule. Alors, si la variable de scène nbpins1 Ah non, je peux pas mettre inférieur ou égal ou supérieur ou tout ça. Dommage parce que là, ça aurait été vraiment bien, tu vois. Ouais, ouais. Je te l'avais dit, Shiro, t'avais déjà supprimé deux fois. Ta gueule. Alors, ok, donc là, il faudrait qu'à chaque action... Non mais je crois que la fonction toujours elle est pas mal hein. Tu fais toujours, vas-y, on va tester plutôt que de me poser des questions, je vais tester. Là toujours variable, elle est où la variable? Variable scène. Non, c'est stockage, stockage, écrire une valeur. Storage name, c'est pas ça. Alors ça c'est totalement chaotique. Stage. Storage one, pardon. Du groupe NB Pins Global. Voilà. Donc là, on est là-dessus. Expression. Ah oui, il faut juste que ça aille chercher la variable de scène nommée NB Pins one. Tu vois. Genre, pour que ça se dise, je vais stocker dans le storage name ta 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 et dans le groupe ta 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 ta. Machin, 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 tu vois. Et ça, je vais le mettre en dessous du lancement de la scène. Ah mais non, mais je suis bête. Je suis bête parce que il faut aussi que je rajoute un autre truc. Genre, le texte. Il est où le texte? Il est où le putain de texte? Voilà. Modifier le texte. Modifier le texte de nbpins est égal à la variable. Et là, on va chercher variable de scène nbpins1. Tu vois. Et donc, du coup, là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que ça va tout le temps enregistrer et mettre à jour ça, tu vois. Sauf que là, j'ai pas fait en sorte que dès que j'appuie sur ce bouton-là, ça rajoute à la variable de scène plus, bah, plus 1 fois la variable tu vois le truc un peu. Non, la variable, qu'est-ce qu'il me raconte? Tu vois, déjà on va tester ça, ok? Là, il n'y a pas d'amélioration. Euh,
Non! Curseur, bouton de la souris relâché, s'il te plaît. Donc là, j'ai buggé, hein. Enfin, j'ai pas buggé, mais. Attends, là, ça, je le fous trop là, ok. Ça, bah, je le fous trop là, sauf que là, je vais faire ça, 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 ok. Yeah, j'ai des bugs. Et donc ça enregistre bien. Donc moi maintenant je vais avoir envie, si j'ai envie de reset ou de trucs comme ça, parce que là c'est un truc de test et que j'ai pas envie d'être à des millions. Ah quoi que si. Si. Pourquoi? Parce que après je vais créer du coup, je vais réouvrir une 10 000ème fois Photoshop. Je vais créer les boutons. Ou tape plus tac tac ou tape fois 2, tape fois 3, non tape plus quelque chose c'est bien mieux et je vais devoir créer une variable price ouais price tap price tap et je vais devoir augmenter à chaque fois de 1,15 environ truc comme ça. Donc là, je vais pour ouvrir. Je vais ouvrir. Bah oui, c'est mieux. Bouton pins, d'accord? T'es pas d'accord? Ok. Parce que comme je dis d'accord, c'est marrant si tu me dis non. Non, c'est pas drôle. Ok. Alors là, on va mettre tape. Non, en fait. Non, en fait. Non, non. Non, j'ai une idée. Oh, bah si, en fait. Que là du coup je vais changer je vais mettre un truc basique les gars je vais mettre un truc ultra basique c'est genre il y a un moment faut arrêter les conneries quoi voilà. Hop, je retourne sur mon jeu et là je vais créer du coup un sprite button tap upgrade tu vois genre et là je vais rajouter hop je vais dans image chirocorda hop on arrive là bouton tap plus ok pas de soucis très bien hop et voilà donc là il va y avoir un bouton tap plus pouf. Et va y avoir le bouton Price juste à côté. Mais non, ce sera pas un bouton, ce sera deux textes, tu vois. Genre, va y avoir un texte qui va s'appeler Price, simplement. Genre, basique. Et en fait, ça, je vais pouvoir le mettre un peu partout. Donc là, c'est Price. Donc, Price, je le fous là. Bah, alors, pourquoi en anglais, vous allez me dire? Et moi, je vais vous dire. Bah écoutez, j'ai envie de le mettre disponible pour tous en fait sur les réseaux. Vous allez me dire disponible pour tous, c'est-à-dire bah les gays, les. Non, je déconne. C'était une blague. Alors, je vais pas me faire ban, s'il vous plaît. Non, je déconne. Non, ils sont pas méchants sur Twitch. Alors, Price, motherfucker. Oh, pardon. Sorti tout seul. C'est comme quand je vais chier en fait. Non, c'est trop lourd? Ok. Le fait qu'il se remet en question tout seul. Sauf que là, je vais créer un autre objet texte et ça va être tap price. Non, tap
augmente, tu vois. Et là, du coup, bon, bah, ça va y avoir texte. Sérieusement? Non, toi! Oh, shot! Toi, non! Ok, tape augmente. 70 aussi. Quoi? Y'a qu'un seul tape augmente, y'en a pas deux, qu'est-ce que tu me racontes? Et tape augmente, il est en blanc aussi, hein. Tu vois, et là en fait à chaque fois que je vais appuyer sur ce bouton là, ça va déjà au chargement de la scène. Alors attends, je vais sauvegarder. Au chargement de la scène, ça va read du coup lire une valeur. Tape augmente. NB tape augmente du coup, et ça va être et ça va pas être cette variable là, on va créer la variable NB tape augmente. On va la foutre là. Même on va modifier ça, on va le mettre en 0,1. Parce que c'est bien sur le stage 1, hein. C'est pas sur un autre. Donc là, il va lire ça. Il va toujours enregistrer la variable de scène. Faut aller dans stockage, pas là-dedans. C'est NP tape global, je crois. Hein. Et ça va être de la variable. Attends, what? Mais non, pas une variable globale, qu'est-ce que je fous? Et là, le texte, pareil, donc objet texte, modifier le texte de tape augmente égale à la variable de scène, ça tu vois. Et là ça veut dire quoi? Ça veut dire que au chargement de l'application, ça va lire ce qui a été enregistré à la session précédente ou rien, et ensuite dès que tu joues, et bah ça va être égal à quelque chose. Donc là NB pins, ça va pas être dedans, ça va être 0 de base, et tape plus 0 aussi au lieu de texte. Comme ça on sait à peu près où ça va, on sait pourquoi ça y va et de quelle façon. Après on a price, et le price du coup ça va être pareil, un texte, et là NB price tap. Tu vois, NB price tap, et donc je le fous à 70 et à 0.
Hop, il est là, sauf que j'ai oublié de le mettre en blanc aussi, quel con. Voilà. Donc là, on arrive sur ça. Donc, il va aussi falloir qu'il charge cette variable-là. Donc, on part dans le stockage et on lit une valeur qui va s'appeler... NB tap price dans NP tap global et on va mettre ça dans une variable qui s'appellera NB tap price. Ainsi, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que NP? Pourquoi NP? NB pour nombre. Putain. Number. Alors. Et là, on va lire constamment. Donc, le truc, c'est que on va aller, par exemple, dans stockage. C'est pas par exemple, c'est ce qu'il faut faire. Et on va NB tab price. Ok. Et on va aller le chercher dans NB tab global. Truc simple et on va l'affecter à cette valeur là. Ok, tu vois, et ça, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est right, pas faut écrire la valeur. Ah, c'est ça, c'est ça qu'il faut faire. Hop. Et je change le texte. Ok, et là du coup je vais créer du coup les catégories déjà, je vais créer des groupes. Global. Chargement. Ou global loading. Ouais, c'est mieux en anglais les gars. Hein. C'est mieux en anglais. Et là, là-dedans, on va dire... bon, écoute... on charge... tous les... paramètres enregistrés de la session précédente. Voilà, simplement. Et puis on arrive là-dedans, quoi. Voilà, et après on va créer un nouveau groupe qui va aller là. Ah, donc ça, je peux le fermer. Et dans ce groupe là va y avoir à peu près tous les curseurs, boutons, trucs comme ça. Cela, on va dire buttons effect. Tu vois, genre là ça va être les effets des boutons. Et je vais créer du coup un commentaire là dedans et je vais dire on affecte des fonctions aux boutons. Tu vois. Donc là, on va affecter au bouton des fonctions. C'est clair, c'est vrai, c'est bien ça. Donc, hop, 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 hop. Donc là, ça changeait juste l'animation, en effet. Parce que là, ça, quand on relâche, ça fait l'effet. Mais quand on touche, ça fait l'animation. Donc là, pareil, je vais faire exactement la même chose. Plutôt simple, sauf que là ça va pas être le bouton pins, ça va être le bouton tap upgrade. Simplement.
Et en fait, ce qui va se passer, c'est que là, hop, changer la variable scène. Tu vois? Et là, on va ajouter quoi? On va ajouter. C'est vrai que c'est compliqué parce que il va falloir que je fasse quoi? Il va falloir. Je vais sortir Paint. Hein. Paint, on aura toujours besoin, hein, toujours partout. On aura toujours besoin. Là, en fait, ce que je veux, c'est que dès que je tape, donc là, je tape sur ça. Ça me fait sortir de la monnaie, tu vois. Mais que tap c'est égal à quoi? C'est égal à tap fois ou plus. C'est plus plutôt. Plus quelque chose. Donc de base ça doit être égal à 1. Tu vois? De base la variable est égale à 1. 1. Plus. En fait, faut que ce soit exponentiel, hein, je pense. Non? Si, si, c'est exponentiel. Et pour que ce soit vraiment exponentiel, par exemple, je vais sortir la calculatrice. Si on a 1 de base, tu fais fois 1,2. Et après, ça augmente très très vite, tu vois. Et 1,2, c'est plutôt pas mal. Sauf que le truc, c'est que 1 fois 1,2, ça sert à rien. Donc si on fait 1,2 de base, et qu'on arrondit, en achetant une fois, ça va pas aller très loin. Il va falloir acheter deux fois pour arrondir à 2. Et même, en fait, au début, faudra les premières fois. Faudra toujours. Si je le mets à 1,70. Si je le mets à 2,4 de base. Là, il va passer à 3. Là, il va passer à 4. Là, il va toujours rester à 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, non, même pas 9. Tu vois, donc il faudrait limite que ce soit à 5 et que je fasse 1,2 à chaque fois, tu vois. Ouais, donc je vais commencer du coup la variable à 5 et je vais add, je vais, non, je vais multiplier par 1,2. Tu vois? Parce que je veux que ce soit quand même assez... assez précis de base. Ah, tu vas me dire, mais attends, si du défini, finalement, on va jamais pouvoir augmenter. Et là, si, en fait, c'est ça le truc. C'est que tu définis à 5 de base. Merde. Comment on définit une variable à 5 de base? Attends, je réfléchis là.
Est-ce que je peux mettre... Parce que là, si la fonction toujours peut être en condition inverse, est-ce que je peux dire que la variable de la scène... le nombre de la... Non, je pourrais pas faire ça. Ok. Seul truc là, c'est que là... Oh ta gueule! Là, faut que j'enregistre. Donc là je fais simplement l'animation du bouton. De toute façon vous l'avez compris, vous l'avez vu tout à l'heure. Si vous me suivez depuis pas mal de temps sur la vidéo, si vous avez juste cliqué plus loin dans la vidéo, bah je suis déçu parce que vous avez loupé des trucs quoi. Mais bon, comme vous voulez. Là, le truc, c'est que... Attends. Je vais quand même aller créer ça, parce que... Tap augmente. Non, c'est button tap upgrade. Tu vois, genre, je vais ajouter l'animation. Et je vais faire 4... Qu'est-ce que je fais, mec? J'en ai ras-le-bol. Je vais ajouter image Giro app smartphone. Hop, ah. 5. Très bien. 4, très bien. 3, très bien. Plutôt que de me prendre la tête à aller chercher à chaque fois. 2. 1. Là du coup ce sera pareil dans les événements. Je vais déjà m'appliquer sur ça en fait. Ok. Faut que du coup... Ça, ce sera jamais égal à 0. Ok.
pas être égal à ça. Ouais, c'est ça. En fait, il faudrait une variable globale qui dise. C'est bon, il s'est calmé lui? Ok. Ouais, donc là, si c'est égal ou inférieur à 4, alors on va juste remonter nombre tap augmente à 5. Parce que je veux que la stat minimale soit de 5, tu vois. Et là, je veux que ça write. Oh là là. Yes! Ça veut dire que du coup, là je viens de vérifier, le minimal c'est ça quoi. Et donc là il faudrait, donc si je charge ça, là ça va augmenter. Ah non, ça n'augmente pas. C'était censé faire fois. Ah mais attends, changer scène variable. Ah mais attends, faudrait peut-être que je change aussi la variable globale.
Yes. Et donc là. Mais alors, pourquoi ça change pas? Le texte, il est où? Changer le texte de tape augmente par la variable string machin bidule. Et en fait, ça va enregistrer donc la variable string nbtape augmente, ouais, dans la variable globale. Donc normalement, c'est censé enregistrer. Ouais, c'est ça, c'est censé enregistrer donc la variable de scène dans la variable globale et mettre à jour le texte en fonction de la variable de scène. Donc ça, il n'y a pas besoin de le mettre. Ça, c'est pas censé exister. Maintenant, nbtap augmente, c'est censé se multiplier. Sauf que si ça vérifie tout le temps ça, alors ça remettra toujours à jour à 5. Ah, c'est pas bon ça. Non. Dame. Bon bah alors attends, je vais rajouter un commentaire ici et je vais mettre. Sinon, les animations s'arrêtent. Donc là, on a déjà le début du truc. Mais alors. Mais non, mais attends, je suis peut-être bête, non? Mais il n'y a pas besoin d'une variable globale en fait. Bon, attends. Oh là là, et c'est dingue. Sauf que je voudrais d'ailleurs qu'on retire. Mais comment on retire ça là? Moi, je veux retirer les. Tiens, aide. Montre-moi la voie. Texte, ok. Non, un gradient. Ah bro. Peut-être après. Ouais. Ouais, mais objet texte. Ah, y a pas d'autres trucs en plus. En fait, nice. Oh nice. Attends. C'est bien ça. Oh! J'ai un tuto pour ça. Mais on s'en fout. Supprimer. Décimal. Game develop. Objet texte. Game develop. Comment créer? Mais. Comment supprimer les décimales? Ah, ça se trouve, on peut pas. C'est juste horrible.
créer un comportement? Je connais pas. Vas-y, hein, moi je cherche, hein. Ça après, c'est pas forcément pour game develop, hein, tu vois. Je sais même pas si ça fonctionne dessus ou s'il y a possibilité de le faire. Oh! Code JavaScript. Ok. Je m'y connais pas en JavaScript. Je suis navré. Mais je vais devoir supprimer. Alors.
Bon bah ça a pas l'air d'être ça. Ok, mais je découvre des trucs ici. Bon, je vais créer ce que je voulais, c'est créer un groupe dans le groupe. Enfin, un groupe dans le groupe. Et là, je vais dire reset. Tu vois, je vais l'appeler reset. Reset toutes les valeurs souhaitées. Tu vois. Et là, je vais créer ça. Et je vais lui dire si t'as le curseur qui touche. Non. Le reset. Et que le bouton est relâché. Est égal à 0. Parce que là, je veux tester justement la variable que j'ai faite tout à l'heure. J'ai cassé mon jeu. J'ai cassé mon jeu. J'ai cassé mon jeu. Tu es. Tu es. Qui a supprimé ça? C'est moi? Mais c'est dingue. J'avais même pas vu. Dingue.
Donc, je peux garder en fait mon groupe reset. C'était pas ça qui avait cassé mon jeu. C'était que j'étais trop bête en fait. J'ai juste supprimé la ligne de code. Attends, je remets mon bouton reset, c'est vraiment trop utile. Du coup, je l'ai supprimé, j'ai eu peur que ce soit ça en fait. Go. What? Ah yes! Donc en fait, moi ce que je veux, c'est quoi? C'est que chaque fois que je tape, mais non, mais le reset, il va reset aussi la variable nombre pins, tu vois, genre il va la mettre à 0. Absolument, bah absolument, je sais ce que je fais, regarde. Hop, tu vois. Ça augmente, on est d'accord. Là, par contre, ça prend pas en compte les dégâts de la tape. Et donc, ce qu'il faudrait que ça fasse, c'est que on affecte des fonctions au bouton. Donc là, c'est quand on tape pins. Voilà, c'est ça. 1 plus. Et là, la variable de scène. Tape augmente. Et là, de base, je suis censé avoir 6 dégâts, tu vois. Genre, boum, 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 boum. Tu vois? Ça, on est bien. Sauf que là, ce qu'il faut que je rajoute du coup. Yes! J'ai réussi, putain. C'est que. Ah. Nombre pins est supérieur à... Non, c'est pas ça. C'est tap price. Alors... Tu vois, là, je peux pas. Mais là, je peux. Et là, ça change pas. En fait, c'est ça le problème, c'est que le price ne va pas changer. Donc là, justement, dans cette variable-là, je vais multiplier la variable de scène par 4. Faut que ce soit bien plus compliqué de up les statistiques plutôt que de les utiliser, on est bien d'accord. Sinon, c'est pas très...
Ah, c'est là qu'on commence à voir vraiment le but du clicker. Yes! C'est là que ça commence à devenir un peu difficile, mais ça va augmenter parce que ça reste des multiplications. Ah ouais, après ça commence à devenir chaud. Est-ce que je réduirais pas le pourcentage, tu vois, genre un truc genre 3? Ah merde, Crody. Ah Crody! Oh non! Oh, ça reset pas le price. Attends, parce que là aussi, il faut faire la vérif de la variable de scène, enfin la variable du coup du prix, tu vois. Et là faut pareil, faut changer la variable du prix encore une fois. Mais oui, mais je suis bête, c'était déjà fait. Alors, c'est dingue! Ça marche, les gars! Ça marche! Et ça augmente progressivement. Sauf que il y a un truc qui n'est pas bien, c'est que ça retire pas l'argent encore, tu vois. Et si t'as plus de pins que du prix qui est proposé, alors, ça multiplie les différents trucs, mais ça doit aussi retirer à la variable pins le coût de la variable price. Sauf que bien évidemment, ça doit se passer tout avant qu'il y ait les multiplicateurs qui se fassent. Et oui, et c'est là qu'on a le système de tape qui a vraiment un intérêt, quoi. C'est là où finalement faut plus taper que juste cliquer sur l'amélioration, quoi. C'est dingue. Tu vois? Et ça, c'est marrant parce que là, voilà, j'ai fait un tap, un jeu de tap, voilà, simplement, en quelques minutes, quoi. C'est 1 heure et quelques, 1 heure et demie. J'ai réussi à créer un jeu comme ça, tu vois. Donc t'es là, tu te dis, merde, le truc fonctionne, quoi. Le truc fonctionne. Donc déjà, ça fonctionne pas mal. Déjà, ça fonctionne pas mal. Pour très peu de variables, en fait, en soi. C'est très très simple de faire tout ça. Et en fait, il faudrait limite que je fasse un deuxième truc. Voilà, je pense que on va peut-être s'arrêter là. J'ai commencé plus tôt, donc peut-être que je peux terminer plus tôt aussi. Ça m'arrangerait. S'il te plaît. Pour l'instant, j'ai fait des trucs incroyables ce soir. Fait des trucs qui sont vraiment incroyables. Enfin, je trouve. Ce que je vais faire, c'est que je vais exporter le jeu et je vais le tester sur mon smartphone. Parce que moi, je suis censé demain montrer à mon collègue que j'ai pu créer un jeu. Et en même temps, bon, on s'est donné des petits challenges. J'ai dit, écoute, les jeux clickers comme ça, c'est trop easy.
parce que j'ai joué un clicker, il y a aucune image dessus. Le mec, il a mis des textbox et il s'est dit, oh, fuck it. Le gars, il va s'amuser en cliquant sur des textbox. Eh ben écoute, je refais le même principe. Je lui ai dit, mec, ça c'est la plus grosse arnaque. Il était là en train de dire, mais non, c'est forcément des trucs à mettre derrière pour que ça devienne difficile, etc. Je fais, non, non, non. Le gars, il fait des trucs basiques. En une heure et demie, aujourd'hui, j'ai créé un clicker. Je vais l'exporter et je vais le montrer à mon collègue demain. Je suis très content de moi. Très, très content de moi. Ah, comment dire? Franchement, allez, let's go. Let's go, mon bro. Alors, est-ce que je peux envoyer ça sur OneDrive? Mon OneDrive du smartphone, il est connecté sur quoi? Le temps qu'il fasse la compilation. Je vais aller voir mon OneDrive. Alors, OneDrive. Vous allez voir, les gars, hein, c'est hyper simple, hyper rapide. Jeu Android, mais on est sur quel compte? On est sur... Ah, mon adresse perso. Ok. Donc là, on va sur Office 365, les gars. Et les meufs. Parce que Office 365, c'est le... Le pack Office sur le web. Donc c'est gratos, quoi. Hop. Je vais sur mon OneDrive. Simple comme bonjour. J'ai le OneDrive qui est là directement. C'est hyper rapide. Franchement, il n'y a rien à dire. Le pack Office, ça a toujours été bien. Je vais dans les jeux Android et je vais juste glisser, déposer à l'intérieur. Tu vois. Et ça s'appelle Shiro Clicker. Donc pour l'instant, c'est pas encore en ligne, mais je pense mettre l'application en ligne. Voilà, je pense faire plusieurs lives là-dessus et mettre l'application en ligne par la suite. Comme ça, vous pourrez tous y jouer. Et puis après, je compte peut-être faire des mises à jour pour améliorer le jeu. Faudrait déjà que je crée un moyen de pouvoir ou un exporter la sauvegarde sur le smartphone de la personne pour que s'il y a une mise à jour ça n'écrase pas la sauvegarde, ou bah non, même pas en fait, pas besoin de faire une sauvegarde comme ça, non, pas besoin en fait. De toute façon, je testerai les mises à jour sur mon smartphone, je verrai si ça marche et si ça garde les valeurs. Et si oui, voilà. Tranquillement. Voilà, donc là, on en arrive à voir le jeu game.apk. Bah alors. T'es bien connecté pour que ça veut pas. Alors, game.apk. Alors. Android. Ah bah oui, je suis con. Compiler et là je vais l'appeler Shiro Clicker et voilà, j'ai juste à le mettre du coup sur mon OneDrive et puis je vais vous montrer ça hein, directement. Voilà, donc là je vais sur mon OneDrive, j'ai Shiro Clicker, c'est en plein download. Ah oh, bon bah ça a fini le download hein, c'est hyper rapide. Hein, je vais vous montrer ça en grand. Alors attendez, hop, voilà. Donc là, je suis sur mon smartphone. Il met, voulez-vous installer cette application? Installer, évidemment. Ça l'installe tranquillement. Donc là, je suis en train de l'installer et je l'ouvre. Et hop. Et on a le clicker sur le smartphone. Et là, j'appuie et ça fonctionne. Ça fonctionne. Hop, hop, voilà. Et ça me fait gagner encore plus de points.
très simple, simple comme bonjour, et si j'appuie sur reset, hop, ça reset tout, et je peux de nouveau cliquer. Et augmenter d'autant plus. Voilà. Voilà, j'ai fait mon premier clicker pour vous dire à quel point c'est easy de faire des clickers et de voir tous ces jeux type clicker sur internet qui sont téléchargés par milliers. Je me suis dit, écoute mec, je vais faire un clicker, je vais en faire un live et une vidéo pour casser le truc quoi, tu vois. Je veux vraiment que ça casse le mythe quoi. Que les gens cessent de croire que faire un clicker c'est hyper réfléchi quoi. T'as des gens, ils posent leur cervelle, ils se mettent 2 heures devant un PC, ils créent un clicker et voilà, j'ai mon clicker qui est fait, qui fonctionne très très bien, qui est à la dimension de mon smartphone et tout est bon. Tout est bon dans le cochon et l'appli est très belle. L'appli est très belle. Je maintiens ça, je trouve que l'appli est très belle. Voilà. Très simple. J'ai plus qu'à montrer ça à mon collègue. Et puis je continuerai du coup au prochain live avec vous. C'était Shiro Kourda. Je vous remercie d'avoir regardé le live. A très bientôt. On va encore se prendre la tête sur ce jeu là. J'espère que vous, ça vous a servi. On se retrouve jeudi pour la fin.